Dans Caméra Mosaïque, MCTV Boston, nous allons parler de l'élection municipale dans la ville de Boston, dans le mois de septembre, avec le mois de novembre qui pourrait arriver là. Eh bien, côté, nous connaissons après la nomination de Marty Walsh, qui était magistrat de la ville de Boston, eh bien, qu'on a qui vini et secrétaire d'État. Bon, ils étaient contents de mais c'est une sorte de ministre. Qui est responsable a fait travail au niveau fédéral dans le pays les États-Unis, eh bien, données politiques ont changé. Dans la ville de Boston, donc en dehors de l'élection pour occuper poste magistrat, eh bien, pour avoir une élection générale au niveau municipal, pour y changer quatre conseillers municipaux généraux, ça y est, pas Boïcita et conseiller at large, et puis il y a un conseiller de district, c'est neuf, et puis il y a quatre conseiller at large, conseiller généraux pour la ville de Boston, eh bien, non candidat qui pral courir et des youn nan quatre postes sa yo, eh bien, nous gagnons deux Haïtiens américains. Eh bien, gen youn la dayo qui avec nous aujourd'hui, eh bien, c'est Reginald Colimon que nous avons dit bienvenue dans Caméra Mosaïque MCTV Boston. Bonjour, bonjour, bonjour Yves, merci, merci à Caméra Mosaïque pour l'invitation ça. Eh bien, pour nous commencer l'émission, ça, et même après 20 ans dans l'administration publique dans la ville de Boston, eh bien, leur candidat ou pas qu'à gain présomption pour dire tout le monde connaît Reginald Colimon. Bon, pour le monde qui ne connaît pas Reginald Colimon, est-ce que brièvement, ou qu'à présenter à potentiel, nous avons dit, et Mounsaou qui pourrait voter dans l'élection 21 septembre? Oh, bien sûr, Yves, merci, merci encore une fois de l'invitation. Nom, c'est James Reginald Colimon. Moi, j'ai même 35 ans depuis que j'ai quitté Haïti et j'ai établi moi dans la ville de Boston et premièrement dans Cambridge. Après ça, j'ai mouvé dans Boston. Je suis gradué dans High School dans Cambridge, je suis allé à l'école de Massachusetts pour prendre un grand degré dans sciences politiques avec langue étrangère. Et c'est là que j'ai commencé carrière activisme, parce que c'est là que j'ai rencontré une série de Créoles qui ont bataillé avec une série de propriétaires de Metcalfe, parce que c'est mon langage de barrière de langage, barrière de langue. Ils n'ont pas parlé anglais, Metcalfe n'ont pas parlé Créole. Et moi-même, j'ai vu de facto, on était après, puis on était obligé d'apprendre la langue Créole là. T'es forcé à apprendre l'anglais pour être capable d'aider Mounsayo dans une série d'interventions pour propriété médicale qui était abusive. Après ça, moi, j'ai quitté le magasin dans le collège, j'ai pris une maîtrise dans la Californie, une maîtrise dans les relations internationales. Et après ça, en même temps, je prends une double maîtrise dans le business international. C'est là que j'ai quitté la Californie. Comme des en pile, mais le papa m'a envoyé moi pour graduation. Il dit, hey, c'est une belle ville, c'est un bel côté, un bel état, mais pourquoi ça loin comme ça? Alors, tu es obligé de faire un appel à conscience. Je me dis, bon, par moi commence à payer vieilli, d'avoir passé bon moment sérieux avec eux, alors tu es retourné dans Boston. J'ai commencé carrière moi dans banque, statut de banque. Parce que papa m'a dit là, il fait carrière par lui, près de 25 ans, depuis qu'il quitté Haïti. Et je commençais dans cette étude banque. Et après une année, je vois que ce n'est pas ça que je vais chercher. Je vois que ce n'est pas de carrière ça que je vais chercher. Alors, je me suis retourné dans la science politique et je commençais carrière avec magistrat Menino dans la politique. Quand je commençais avec l'office office pour nouveau Bostonien, son office qui était établi premier dans genre de office aux États-Unis pour aider tout immigrant qui a déménagé pour venir établir dans ville Boston. Alors, qui était un modèle national que en pile l'autre ville, tu as essayé de copier le modèle ça. Et fast forward pour aller plus devant, en 2001, c'est la dernière tragédie, ça a eu 911 911 là, septembre, 11 septembre, que tu as gagné en pile. Après des heures, ça, grand-père qui a pris les noms pour demander nous comment nous sommes capables d'aider. Et nous faisons un forum que en pile intervenants ont participé, mais c'est le samouraï
que nous avons plus de questions que de réponses. Alors, nous avons convaincu Mère Ménino pour nous commencer une immigration, une clinique d'immigration dans la cour, en City Hall, là, dans la cour Hôtel de Ville, là, qui est en vigueur jusqu'à présent. Et après 9 ans, j'ai quitté l'office là, j'ai allé en Floride, j'ai commencé le travail pour magistrat d'ailleurs, dans Orlando. Dans un poste que j'ai quitté pour 5 ans pendant que j'étais l'autre bois, mais en Walsh, secrétaire Walsh, premier ministre Walsh, j'ai relayé moi pour me devenir travailler avec lui comme liaison du conseil municipal entre maire là, entre magistrat et avec conseil municipal, ça a été le City Council, poste que j'ai posé pour lui comme candidat pour le moment. Et On va continuer. pendant période ça, nous avons établi office comme liaison maire là. Nous avons remarqué qu'il y a pile de délégations internationales qui sont venues dans la ville de Boston. Et nous n'avons aucun côté central pour accueillir les gens. Et chaque département accueille les gens par eux, et puis nous ne savons jamais qui est-ce qui est. Et même magistrat, tout le monde venu, nous ne savons pas qui est-ce. Nous n'avons pas une sorte de un côté central pour non seulement pour étudier et visiter ça, pour nous faire une recommandation par nous, parce que nous sommes là. Et après, mais là, il a établi un département, une équipe qui est Global Affaires et Affaires Globales. Alors, c'est moi-même qui gère le département ça pour prendre toutes les demandes qui viennent pour étudier avant de faire une recommandation. Moi, si c'est un monde que le magistrat rencontre avec ou pas. Et nous ne jamais retourner aucun monde, mais en même temps, tout c'est pas nous établissons un protocole qui est-ce qui peut rencontrer à qui est-ce. Et alors, c'est pour ça que nous avons gagné pendant 4 dernières années. Et qu'on y a là, comme candidat, pour gagner une des 4 positions qui est dans le conseil municipal là, à large. Bon, gain yon et nan et activité, d'accord, ou bien bureau, qui créé, ou dit depuis l'autre travail pour Maïssa Menino. Dans mais et peut-être au fond tirer sous les. On dit que pendant l'administration Menino, nous avons créé Santarelli clinique pour affaires migration. Parce que quelqu'un qui a regardé l'émission, ça, qui doit, on est passé sous les constats comme si sont oui, clinique sur immigration. Mais est-ce qu'on est capable d'expliquer, Mounio, clinique immigration, ça, qui ça, clinique, ça, qui ça a fait et qui importance les gagnants eh bien, pour population immigrants en général qui vivent dans la ville de Boston. Merci de ce que nous faisons camper là, parce que ce sont qui est très important. Parce que nous connaissons que, depuis n'a pas l'immigration, ville Boston sont ville minorité majorité que lui. Ça veut dire qu'il y a plus monde de couleur que blanc. Et ça veut dire que, une dans chaque 4 Bostoniens est fait dans leur pays. C'est 28% de la population que ça représente. Et après, et septembre, 11 septembre, non, tragédie ça. Nous établissons la clinique là, mais juste pour débattre mon information sur ce qui a passé, parce que tout le monde pensait, ça a les stéréotypes là, que le poisson arabe, c'est terroriste curieux, ou parlons notre langue, mon galop mal. Et nous faisons clinique, nous faisons forum ça, nous remarquons que tu as plus de questions que de réponses. Alors c'est là, ça me convainc, magistrat Menino, pour nous commencer clinique immigration. Son clinique, qui fait 2 fois dans la cour City Hall, mais qu'on y a encore, c'est virtuellement que nous faisons. Mais éventuellement, nous allons recommencer encore pour le monde en personne. Et c'est une clinique que vous venez avec toute question d'immigration gagnée. Et puis, il y a un avocat qui volontaire tête pour vous parler sur le cas que vous gagnez. Et encore une fois, son bail gratis que lié. Mais c'est conseil, mon nabao. Si toutefois, avocat ou son cas que tu as supposé prendre, lui-même, ça le fait, il vous recommande pas un collègue qui volontaire tout, que pas qu'après prendre lui-même pour parler. Et moi, quand on conseille le cas, que je bah, jamais ou à l'autre côté lorsqu'il s'agit d'immigration. Et son bail qui est très personnel et très confidentiel que lié, moi, ne pas connaître qui question gagne, qui problème ou gagne. Et, d'ailleurs, me rappeler tout le monde que clinique, ce n'est pas pour les gens qui pas documenté seulement que lié. Par exemple, vous avez un Américain de 3, 5 générations dans le pays,
ou t'as aimé, par exemple, ou t'as aimé adopter ton timoun en Haïti, ou t'as aimé adopter ton timoun en République dominicaine, ou t'as aimé adopter ton timoun en Chine, ou pas contre côté pour commencer. Alors, clinique, ça, capable d'aider ou non, pas ça. Bon, il est important et pour parler de clinique là, parce que bon, pour nous comprendre l'importance, par exemple, une administration au niveau local qui a mis des services à eux, qui a rapport à l'immigration, à la population qui vit dans la ville, c'est extrêmement important parce que un avocat pas bon ici, avocat immigration, ça dépend de qui cas ou gain. Je ne parle pas, par exemple, pour les gens qui parlent faire l'américain, etc., son papier pour remplir. Mais il y a des cas d'immigration qui sont assez compliqués, eh bien, on a un avocat qui a chargé n'importe 200-300 $ l'heure pour le travail pour vous. Donc, l'autre opportunité pour jouer un service et gratuitement, parce que c'était important pour te rester sur lui. Bon, après 20 ans, et original, au fait d'expérience dans l'administration publique, 20 ans, tant comme on dit, ce n'est pas 2 jours. Qui expérience, qui leçon ou tirer, eh bien, de 20 ans ça dans l'administration publique au niveau local. Alors, et expérience dans deux municipalités, ça, yo, deux villes différentes, mais qui, que moi, en pile développement fait là-dedans. Mais magistrat Menino, avec magistrat Walsh, tout magistrat ça, yo, et inclus, mais Jenny, Remain, Villio. Et moi, que dédicace tête, yo, consacré tête, yo, pour faire ça, faire comme serviteur public. Et je suis capable de dire que grand pile bagay en commun, mais grand pile bagay qui pas en relation du tout. Alors, je vais commencer avec magistrat Menino qui était remis une ville par là, comme on a dit que lui, t'es gardé une ville là, comme on a dit c'est là pour la qu'elle est que lui. Et pas oublier que le magistrat Menino était là, politique a été un petit genre différent. Parce que, vous imaginez, c'est magistrat qui fait plus de temps au pouvoir dans l'histoire des magistrats de la ville de Boston. Et jusqu'à la preuve du contraire, avant, mais je n'ai pas jamais aucune femme qui était dans tête place ça, pas jamais aucun monde de couleur qui était occupé place ça. Il y en a qui était fait route, comme pour Mel King, qui était posé dans la situation, mais qui n'est pas arrivé côté magistrat et Jenny River que je dis. Mais lorsqu'il s'agit de Mère Walsh, son lot, bagarre pour l'autre ampleur. Alors c'est là ça me définit comme liaison entre conseil municipal là avec pour maire là. Alors toute bagarre qui maire là capable communiquer à conseil municipal de la ville passer par moi-même. Et comme d'hab dit nous, magistrat Menino sélecté pire et là longtemps dans tout magistrat qui était passé dans la ville de Boston. Alors le ou vingon l'autre magistrat nouveau, tout le monde a testé loi pour y connaître parce que j'ai dit en anglais, et magistrat Menino had some big shoes to fill. Parce que monsieur tellement fait l'histoire dans le pays de Boston comme magistrat qui est urban mécanique, c'est-à-dire qu'on mécanicien de la ville qui remet, qui pas remet aucun petit trou dans la ville là pour boucher toute bagarre qui gagne, qui me songe qu'on l'a nous avons rencontré avec le Bill Russell, Pigo, basketball player qui passe dans la ville de Boston. Il y a un monde qui vient discuter que c'est pas vrai, mais pour moi, c'est lui-même qui Pigo. Basketball player passé. Et Bill, M. Russell m'a dit, magistrat, sort à faire encore de Boston. Et magistrat Menino répond, il dit, mon cher, t'as un maire de la ville de Boston. Il dit, non, mais où c'est maire de la ville de Boston? Ça veut dire. Il dit, non, on ne pas comprendre. Ça me fait comprendre, c'est que t'as un tout petit coin dans la ville de Boston qu'on est, que m'en a pour servir, comme n'importe qui côté, capable de refléter, ça m'a fait, qui que soit dans Beacon Hill, ou Matapen, dans East Boston. C'était vraiment son maire qui était très communal. Mais on c'est même gens tout, mais bagarre avec notre ampleur. Parce que, comme on dit nous, avec social media, tout bagarre ça, avec un développement qui fait dans la ville là, nous voyons que bagarre a changé, nous voyons que gagne une série de. Nous, quand on a développement, par exemple, on a parlé de 6 ports districts. Ce sont l'autre communauté qui crée dans la ville, qui est très homogène. Qui n'a pas de monde de couleur là-dedans. Il dit que c'est un manque d'opportunités que le pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, parce que l'on passe dans 6 ports de la Cunha, qui a un pile nom. Il y aurait les 6 ports, il y aurait l'Innovation District, il y aurait le Waterfront. Ou est-ce que c'est très rarement où est mon noir dans zone ça.
Vous comprenez? Et je pense tout que c'est son opportunité qui manquait que nous devons saisir. Et en ce qui s'agit de magistrat d'ailleurs à Orlando, moi, pile développement fait devant tout, tel que, par exemple, en stade football, on parle football, on parle soccer, ça n'est pas le soccer ici aux États-Unis, qui fait devant. Gagnons un centre de performance art culturel qui fait devant. Gagnons un pile à Amway Center, on sent dans notre centre culturel, mais si vous jouez côté Orlando Magic, jouez qui fait devant. Alors, j'aimerais l'OMT à Orlando, des grands programmes qui étaient les Talk and Tours. Ça veut dire que vous parlez et puis vous visitez tout le développement sérieux. Nous choisissons aussi le monde communautaire pour montrer même le développement qu'a fait, mais qui sont capables de participer dans le bail sérieux. Et avec Mère Jenny, c'est vraiment dommage que pas grand pile temps de travail avec lui, mais on voit que Mère Jenny tourne mes villes là, même j'ai tout l'autre monde. C'est ça qui fait lui poser candidature pour là, pour être capable de gagner un poste là permanent. Avant nous parler pour entrer dans la position qu'on pral courir derrière là, avant de parler vraiment à candidat, nous avons au fond tiré original sous qui expérience ou ramassé en tant que monde qui est en dans bureau magistrat Wash ou fait liaison avec les conseils municipaux. Bon, pour Haïtien qui a regardé l'émission, ça. Dans le conseil haïtien, dans le système d'Acadie française, lors d'un conseil ou d'une commission municipale, eh bien, dans le pays d'Haïti ou bien dans le système francophone, c'est toujours exécutif. Mais dans le système par bon, aux États-Unis, lors dit le conseil municipal, c'est la branche législative au niveau communal. Dans la ville de Boston, il y a quatre et conseils municipaux at large, ça veut dire les conseils at large, et puis il y a neuf districts. Ça veut dire conseiller et municipal, donc a dit au niveau région. Qu'est-ce que ça a ramassé comme expérience pour faire liaison ça entre exécutif là avec branche législative là? Et je suis capable de dire que le comité prend pour ça, son poste qui était demandé en pile diplomatie. En pile diplomatie, en pile diplomatie. Non seulement ça, tout en pile travail ensemble, en pile collaboration, parce que tout simplement, lors des magistrats Menino qui était là, qui était solidifié pouvoir dans la ville, comme un maire que tout le monde était. On dit genre, même, on dit genre, une sorte de la peureuse pour lui, mais c'est passé à cause du respect que vous avez pour lui. Alors, lorsqu'on l'autre maire qui vient, il ouais que si monsieur est capable de maire, tout le monde est capable de maire. Alors, premier là qui est capable de dire qui est plus important pour moi, c'est quand même tiré dans l'expérience par moi, c'est ça me donne les confiances. Confiance des deux côtés, confiance de la part du magistrat, parce que quelqu'un a dit, mais là, magistrat a signé ça. Il signe pas même garder sa lien parce que c'est moi qui le signe. OK? Et confiance parce que et l'autre conseil municipal et l'autre élu, t'es gagné au moins, il y aurait les manières pour qu'il le dans lui la journée, si vous avez que capable dit que bien que tu aies gagné au maire là tout, mais si vous avez dit maire là, vous avez dit directement, mais vous êtes passé par moi-même pour tout bailler ça. Alors, moun sa grand pile là-dedans qui pas dans le pouvoir encore, mais qui toujours un numéro moi, personnellement, et un numéro privé moi, personnellement, que capable de joindre moi si vous besoin de bagaille. Alors, sans collaboration qui était très importante, parce que jusqu'à présent, comme je dis, moi, en relation avec moun sa yo, et ça qui était pire, comme vous pas parlé de magistrat, et nous avons un système qui. Système exécutif là, que les magistrats, c'est lui-même qui est considéré comme chef exécutif de la ville de Boston. Et c'est lui-même qui présente le budget. Et conseil municipal là, 13 élus, voté sous le budget ça. Alors, ce n'est pas toute municipalité qui a un système de gouvernement ça. Par exemple, Cambridge l'a gagné. Cambridge, grand gérant de la ville, qui c'est lui-même qui a l'argent, qui contrôle l'argent. Alors, même sous élu Cambridge, comme maire, vous posez des corps municipal là, mais ça va pas pouvoir que mon qui gagne l'argent gagne en même. Alors, Boston, les on tient différent. Alors, conseil municipal a voté sous budget annuel là, qui près de 4 millions de dollars américains. Et c'est là, des fois, on sent une sorte de petite résistance entre et tout le monde a bataille pour communauté par eux, pour quartier par eux,
pour renseigner le programme, que vous avez si vous pas fait tel bagage, vous pas voter pour le budget. Si vous mettez tel, si pas ajouter tel bagage dans le budget, vous pas voter pour lui. Et c'est là que ça a été en pile collaboration, en pile négociation avec nous. Bon, ça tant comme nous dit, il fait partie et du jeu et politique. Bon, on a pour entrer d'emblée dans la campagne, on t'a remet qu'on est. Pourquoi ça ou quitter, on t'a dit, une carrière professionnelle en tant que cadre dans l'administration publique et dans la ville de Boston, eh bien, qu'on a pour prendre un chapeau, entrer dans Goumen, ben pour occuper un poste purement politique pour aller en position en tant que conseiller municipal général Sanrelé et conseiller at large. Bon, premièrement, nous pas capable séparer les affaires avec la politique. Parce que yon marché main à main, main à main. Mais l'orgue, tout quand il y a ça que vous faites ou à PC pour ces bagages de, en dehors, que c'est pas même qui est élu, hein. Par exemple, bien que nous sommes toujours d'accord avec Maxime Walsh pour la plupart de ça qui est proposé, parce que même leur proposition de bagage, c'est moi-même qui déconne pour télé pour mettre sous docket là, sous agenda, pour nous capable de débattre. Mais grand pilote bagage, tout que moi qui t'a fait plus bien, que moi qui t'a plus bénéficié ville-là, je parle de ville de Ville-de-Bourse, je parle de tous côtés, que moi que. Expérience municipale que j'ai gagné dans travail pour 4 magistrats avec 2 différentes municipalités, moi très confiant de tête moi que je suis capable de porter en pile contribution non seulement pour la communauté haïtienne mais pour toute ville bostonien pour être capable de dire que c'est une seule ville que nous y est, que nous pas séparés par zip code par exemple. Je ne vais pas appeler que zip code au monde déterminé et statut social dans la société. Par contre, bon, dame que zip code. Yeah, bon, et ça n'a pas une opportunité peut-être dans la prochaine émission, là n'a pas parlé de et comme si de plateforme etc. parce que bon, en dépit de ça n'a pas dit nous dit que on côté dans qu'on a été à Massachusetts ou bien ville Boston, son côté que un monde qui immigrant ou pas qu'a dit que ou pas senti que ou la caillou. Parce que gagne des côtés où vivre aux États-Unis, et ben être immigrant, ça veut dire son problème lié. N'a pas opportunité pour nous parler de ça, mais ça pas empêché que Boston gagne pile et problèmes qui pour résoudre pour capable éliminer écart qui est entre monde qui gagne pile avec qui pas gagne. N'a pas pour nous parler de ça. Qu'on a pour entrer d'emblée dans campagne. Dans quel point que vous y qu'on a et dans campagne. Et bon, d'accord, c'est dans phase qui deux phases qui pire. Difficile comme il est là. Et première phase, pour capable candidat officiel, faut qu'on ait un nombre de signatures que vous soumettez, que le département élection hein, vérifie chaque monde qui signe pour vous, et pour être capable de dire OK, ou bien nombre de signatures que nous exigeons pour gagner. Alors, pour magistrat, c'est 3000. Pour conseiller municipal à large, c'est 1500. Avec toute leur district, c'est 200, c'est 150, c'est 240. Alors, qui ont une disparité là. Alors, pour gagner 1500 signatures dans le moment COVID là, c'est un petit genre difficile. Et c'est dans la phase ça que je suis que bien content d'avoir un peu d'embrasse de ça pour remercier tous les compatriotes, tous les amis que je gagne. Qui a porté un coup de main pour comment t'as capable aider à gagner 1500 signatures confirmées ça. Que on est obligé gagner au moins présenter au moins 2500 parce qu'il y a rejeté le au fin gagner 1500 après au fin gagner 20% qui confirmé et pas compter reçu. Mais au moins au gagner 2500 pour présenter au moins comme capable dit pour assurer que nous sommes ballot là. Parce que ça a éliminé peut-être un monde qui a écrit adresse ou mal ou qui a écrit non mal ou bien moun ça qui doit son monde peut-être qui besoin aide et puis il n'est pas même resté dans ville Boston ou bien moun ça qui doit pas enregistré et pour le voter Boston autant de raisons qui a fait éliminer et on sait de signature mais quand il y a un monde qui a regardé l'émission ça qui t'a besoin aide dans campagne
même si moun sa pa rete nan vil de Boston, même moun sa gen fami ki enregistre ki rete nan la vil de Boston. Ki jan pou yo fè sa? Ki jan pou yo kontakto? Bon, pou mi ba ta kap di, ta kap kontakte mwen nan, mse pou probableman et yon nan, mba ka di, mba gen preuve, mda kap di ke se mwen seul ki fè sa, mwen konen ki mse yon nan moun ki gen numero telefon mwen nan do et nan do panfle mwen, ok, ki se 617-291-9054. Alors, mba gen problem pou n'importe qui m'a capable de contacter directement pour m'a capable de répondre n'importe qui question que vous avez. Mais on connaît qu'on a mon nom Jean et puis m'a dit puis à l'aise non, ba mon fait plus facile c'est aller sur internet. Ou est-ce qu'on a un site web qui déjà justement est fonctionnel? Oui, c'est colimon2021.com. OK, colimon en un seul mot et puis 2021.com. .com et qui sécure qui comment que mon pas gain problème pour rentrer la donnée. Alors comme en tant que comme ça dit pour il pas besoin peut rentrer la donnée parce qu'il est en sécurité. Eh bien, et Reginald, c'est n'a pas remercié aujourd'hui à pour participation dans l'émission. Nous souhaiter bonne chance. Eh bien, et n'a pas gagné opportunité. Eh bien, après collection signature, après 1500 signatures fin collectées pour nous capables entrer nan sujet eh bien, qui concerne résident de la ville de Boston. Pour qui ça? Eh bien, pour qui raison? C'est mon question de parce que c'est haïtien seulement pour nous voter pour vous. Qui sort dans Diakoutou? Parce que là, ça n'a pas l'opportunité pour développer plateforme eh bien, sous caméra mosaïque MCTV Boston. Merci encore une fois pour participation. Merci Yves. Et merci okay, à toute la communauté haïtienne.